Finalement, c'est quoi le sentiment? Soulagement plutôt à la fin ou la déception d'avoir raté ce que vous avez pu faire dans la première demi-heure? Je pense un peu les deux. Un peu les deux. Je pense qu'avant le carton rouge, on est bien. On maîtrise bien le match. Je pense pas qu'il se procure beaucoup d'occasions. Et par la suite, je pense que si on reste à 11, on aurait pu gagner ce match. Tu vois sur l'action de Johan, c'est un peu loin de l'action, moi, je suis un peu loin de l'action. Franchement, je vois rien du tout. Après, je demande à Honora. Il me dit qu'il y a un petit truc. Je sais pas, faudrait revoir l'action. Personnellement, j'ai pas vu, donc je sais pas. Encore une fois, vous arrivez à arracher le but. Bon, on lâche pas, je pense. Après, on va pas réussir à chaque fois à revenir au score comme ça. Des fois, ça va être plus compliqué. Et comme on l'a vu contre le PSG, à la mi-temps, on perdait. Et impossible de revenir au score. Donc, je pense que c'est bien, c'est un bon état d'esprit. Mais il va falloir aussi éviter de prendre des buts et peut-être marquer avant. Ça serait bien. Ouais, bah là après, je pense. Oui. Bon, en ce moment, oui, c'est vrai qu'on prend systématiquement le premier but. Après, je pense qu'il faut peut-être faire un peu plus offensivement, je sais pas. Peut-être marquer sur coup de pied arrêté. Peut-être plus d'animation offensive. Je sais pas, faut voir avec tout le groupe et en discuter. Après, je pense que tout le monde a envie de bien faire. Et pour l'instant, ça marche pas, mais je pense qu'on va continuer à travailler pour qu'on puisse marquer ce but et qu'on se mette dans des meilleures dispositions. T'as le sentiment que l'équipe a un peu raté le coche en première demi-heure? Je sais pas, on a peut-être des situations, on peut peut-être marquer, mais comme je le dis, en fait, ce carton rouge, il nous met un peu dedans parce que je pense que le match, on l'a, on le maîtrise bien, et qu'à un moment donné, l'équipe adverse va lâcher et on aura les situations pour pouvoir marquer ce premier but. Après, c'est sûr, on n'a pas de chance, parce qu'en plus, on prend un but sur sur cette faute-là, donc c'est un peu double peine. Mais après, oui, c'est vrai qu'on revient au score, mais je pense que si on reste à 11 sur le terrain, je pense que ça sera mieux. Sur le but que vous prenez, c'est ton placement, comment ça se passe? Alors déjà, c'est pas mon joueur du tout. Moi, j'ai Badji. Mais après, à un moment donné, je vois qu'il est tout seul, donc je lâche mon joueur pour aller, mais bon, c'est trop tard, ça va trop vite. Oui, je pense que c'est un bon point quand même. Après, je pense que dans le vestiaire, tout le monde était un peu déçu parce qu'on a bien vu qu'on les a mis en difficulté plusieurs fois. On a eu des situations en première mi-temps. Et tout le monde, je pense, voyait peut-être gagner ce match-là. Donc, on était un peu déçu dans le vestiaire. Mais bon, il faut passer à autre chose rapidement. On va jouer très rapidement. Donc, faut gagner le prochain match et puis voilà. Il n'y avait pas forcément d'inquiétude après Paris, mais le fait de retrouver un peu le football que clairement l'habitude de jouer, ça vous conforte dans... Bien sûr, après moi je pense pas qu'on a été touché par cette défaite, parce qu'il y avait un niveau trop énorme entre eux et nous. Et voilà, on sait bien qu'on a mis en difficulté d'autres équipes en début de saison, et on sait bien qu'on va continuer à mettre en difficulté d'autres équipes, donc je pense pas que ça nous a touchés et on est conscient de nos qualités, on est conscient aussi de nos défauts. Et on a travaillé cette semaine aussi pour régler les défauts qu'on a pu avoir, les problèmes qu'on a pu avoir contre le PSG. Le prochain match, c'est un match particulier pour toi? Ouais, c'est un match un peu particulier. Après, ça fait un moment que je suis parti, donc c'est vrai que c'est la première fois que je retourne là-bas, mais ça va pas changer quoi que ce soit.